Ah, j'ai cru qu'on allait pouvoir le Non, tu peux pas skip. le contourner. Dommage. Oh, je rigole, hein. Je savais qu'on n'allait pas le skip. C'est un peu triste de skip un boss comme ça. Surtout lors de son premier playthrough. Lâchez tous la barre de d'or. Bou, pas d'or. Le fiasco de la dernière fois ne t'a pas suffi? Jamais. Bien au contraire. Regardez mon super ami. Et c'est ainsi. Ah, oh, elle a bien retenu le symbole des Nessians. Ah Attends, Bob, c'est pas pareil cette fois. Mais non, mais non, c'est encore de la camelote. Et vous allez voir, moi j'ai trouvé, j'ai mis le tatouage dessus, c'est trop bien. C'est un sticker. Ah bah oui, d'accord, ok, c'est la musique, t'as vu? Bob, c'est le moment de libérer la terreur qui sommeille en toi. Je suis prêt, je suis hyper prêt! Enfin, c'est exactement comme ça qu'il faut que je me perde de l'usine. Mais d'abord, je vais me débarrasser de vous. Eh oui! Mais c'est du goudron, ça devrait exploser à chaque fois que je fais du feu dessus, non? Ah, mais je le vise plus. Ah, les classiques mains. Elle est passée au bout, tu penses que. Elle est cachée dans il le l'a mangé, il l'a mangé, celui-là. C'est bon, regarde, je suis sur Kingdom Hearts 2, il est top pour affronter des Unverse. Je voulais faire le cri d'attaque, je voulais pas faire le. Ah oui, le cri d'attaque sur la main. Ah, ouais, mais ça en fait partout. Bon, par contre, bien joué, Sully, hein, par là où il faut pas. T'as dit Sully? Ouais, pardon, Bob. Mais il fait du feu, bon sang, arrêtez de faire. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas pété la garde en fait. Eh oui, attends. Ah, c'est bon, je peux m'énerver. Ah, il faut que le voir sera forme noire. Ah, je suis en train de mourir en fait. Bon voilà. Hein. Ah bah non, mais en fait ça redonne tous les points de vie, mais c'est trop bien. Il n'y a pas de problème du coup. Je me demande à quel point Donald, Dingo, tout ça, ils se disent ouais, il est devenu mauvais, Sora, mais c'est pas grave, c'est l'habitude. De toute façon, c'est bon, il fait quand même ce qu'il faut faire. Oui, bah voilà, il le fait que pour. Allez, vas-y, Dingo. Ah, il m'a soigné. Ah Donald, incroyable. Il fait son travail des fois. Mais tu as encore rien fait perdre en fait. Oui. Ouais, on peut faire cri d'attaque. Ça n'a rien fait comme dommage, c'est incroyable. Non, je vais glisser. Waouh. Oh. Eh ben dis donc, vous êtes pas sympa avec moi. Moi, je veux juste attaquer les petits machins. Ah oui, foot c'est pas mal en fait. On aurait dit que Dingo il avait fait feu. Dingo il dit tout le temps feu. Oui. Vous soignez Donald, tu soignes pas moi. Mais c'est bon, t'as encore plus de la moitié de ta vie, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, mais il a soigné les autres.
D'ailleurs... Ah, ça y est, il s'est calmé. On va lui dire d'ailleurs pourquoi t'attaques les mains. Oublie pas que tu peux faire le R. C'est vrai. Et d'abord, on envoie quelques petites fusées sur le mob. Oh, ça lui a fait quand même quelques dommages. Ah zut, dommage. Ah, il le fait trois fois en fait. Merci, Donald. T'as rien fait. Alors, ça fait des dégâts, ça? Ah bah, ça se voit pas. Pas le droit de savoir, désolé. Ah, bien joué, Donald. Mais pourquoi je peux pas le viser? Ah, peut-être là, on aurait peut-être un serveur maintenant. Ah, dommage, il en manque deux. Ouais, non, ça... Pas fait davantage de trucs, en fait. Hein. Record 3, quoi? Comment ça, record 3? Bah, t'as peut-être touché que 3. Ouais, non, mais record 3! Oui, j'avoue. Bah, je sais pas. Incroyable, il a tenté la parade contre-attaque sur le monstre. Ça a marché, peut-être. On ne sait pas. Allez, on va peut-être débloquer Aquilon bientôt. Oui, go go, c'est bon, t'as Aquilon. Parfait. Ah oui, ça fait rien comme dommage. Allez, Dingo, on te jette sur le mob, c'est incroyable. Regardez, Dingo, il en a rien à faire. Donald, c'est l'heure pour toi de faire ton travail. Mais j'ai plus de magie. Peut-être qu'on peut renvoyer ça. Non. Au moins, tu peux les parer. Ah, c'est bientôt bon, c'est bon. Donc tu manges une potion qui se balade, en fait. Ah. Ça valait le coup d'attendre que ta barre de magie revienne. Merci, Donald, hein, franchement. Mais il avait plus de magie. D'ailleurs, il en a à nouveau plus, du coup. Allez, Donald, fais fusil atonium sur toutes les mains, là, ça devrait faire plein de trucs. Non, 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 Donald, jamais les mains, ça te plaît pas. Arrêtez de m'attaquer, moi! Ah, j'ai utilisé tous mes MP, je vais me soigner après. Ah, il subit pas mal de points de dégâts en fait. On attaque là quand il est comme ça. En fait, les mains, elles servent juste à faire des corrélations, en fait. C'est ce que j'arrête pas de me dire, mais pourquoi t'attaques les mains? Mais au début, il arrêtait pas de me projeter, en fait, c'est pour ça. Vous voulez pas me donner la forme énervée, là? Ça, je me soigne. Tu peux faire un cri d'attaque. Ouais. Ah oui, mais non, ça fait ça, c'est nul. Ah, c'est bon, il t'a soigné. Ah ouais, et... Ou alors... Oui. Non, non, il m'a soigné, c'est bon. Pour une fois, il a fait son travail, Donald. Bien joué. J'espère qu'on débloquera vite barrière. Ah, parce que tu penses qu'on va débloquer barrière? Oui. Sora, il fait que des parades, oui. Ouais, ça, c'est le moment qui sert à rien. Merde. Faire seconde forme, comme ça tu pourras faire rien comme tes gars. Mais non, comme ça tu auras peut-être à un moment la forme sombre. Allez, allez Sully, bien joué Sully, continue comme ça Sully. Ah, regardez, Donald, en plus, il a ses points de vie, il a des points de MP, c'est magnifique. Ah, tu penses qu'il va faire du soin?
Allez, on peut faire le cri d'attaque, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va... Il va encore partir au moment où on va le faire, le boss, parce qu'il fait tout le temps ça. Wow, incroyable, non, il est resté pour une fois. En attendant, t'as quand même pas fait grand-chose. Ah bah voilà, je l'avais. Oh, c'était vraiment judicieux de le faire maintenant. Visiblement oui. Mais bien oui. Joué. Hey, c'est le moment parfait, il subit plein de dommages quand il est comme ça. Oui, c'est parce qu'il t'envoie à l'autre bout du monde que je me demandais si c'était bien. Mais il se téléporte un peu le... Mmh. Regarde, là, il est pas content. Ouais, j'allais dire, au pire, je peux compter sur Donald, mais en fait, non, il a déjà utilisé tous ses MP. J'allais dire, je sais même pas si on peut parer en tant que... Ah mince, il baille. Parer quoi? Quand on est... Ah! En forme rage. J'ai jamais essayé. Je connais pas le bouton parade. Sauf s'il fait barrière. Là c'est bon, ça marche. Là c'est bon, tout d'un coup je me souviens que ce le cri est... d'attaque, magnifique, quand il y a toutes les mains, parfait, partout. Non, mais je l'ai pas battu avec la forme rage. Ah, au pire, t'attends encore un petit moment pour la revoir encore. Non. Ah, tu peux faire le méga splash. Bah wow. C'est pour nettoyer, tu vois, là on regarde, on nettoie. Alors le méga splash ça sert à rien sur lui parce que il bouge tout le temps. On nettoie, regarde. Mais si justement on met plein d'eau partout là comme ça, hop. Là, on peut même sauter, tu vois, c'est vrai. Hop, regarde. Hop là. Ouais, ça va le tout. Ça va le tuer. Ça va le tuer. Ou pas. Mais non, il s'est enfui. Ah. On va faire lueur du roi pour le tuer. Regardez, il a mis du goudron partout, donc du coup on met du feu comme ça, on explose. Là, explosion. Voilà, hop, tout le monde a explosé. Mais bravo. nous allons très bien. Bravo. Parce qu'on a les problèmes d'invincibilité de l'invocation, donc c'est bon. Toi oui, mais les autres. Parce que t'es méchant. Oh. Oh, bah oui. Là, tout d'un coup, la porte de boue s'est retrouvée détruite. Bah oui, voyons. C'était si nécessaire que ça de discuter... Ah. Ah, tu vois, ça a fait peur. Parce qu'il a fait un cri monstrueux. Ah, c'est la porte de Léon, je vois. Plus ta place ici, Léon. Reste dans ton exil là-bas. C'est trop méchant. Et puis voilà, c'est bon. Hein? Plus tu râles, plus c'est. Mon monsieur est pas gentil. Comme il est sympa, tu vois, il le fait quand même. On fait bien de ta retraite. Vous allez le regretter, bande de clowns. Je reviendrai. Je vais m'emparer de cet endroit. Et depuis le temps, ils se sont pas habitués, ils sont pas devenus amis. Ah, il est dit sentir plus tard. Et tu sais ce qu'il reste à faire. Attends, je sais comment la verrouiller. Sans la détruire, tu vois, comme ça. C'est mon travail, après tout. Je suis le maître des portes. Oh mince, j'avais cette Keyblade, c'est quand même nul.
Oh, c'est pas gentil pour cette Keyblade. Bon, on va dire que ça le fait moins, alors. C'est bon. Wow. Et voilà. Non, il est mémorisé, obtenu. Oui, mais enfin, j'avoue, vous l'avez juste envoyé dans le monde des humains. Du coup, tout ce qu'il a à faire, c'est à prendre une autre porte, oui. Oui, de toute façon. Oh, c'est une bonne retraite, quand même, franchement. Eh, hey, on est trop malin. C'est pas comme si on était une société qui utilisait les portes. Tu dois être épuisé. Mais on rejouera très vite ensemble. Ah, et cette... Quoi encore? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est pour refaire un petit tour de porte. J'avoue que... Qu'est-ce qui va se passer, là? On est juste à la conclusion du monde, ou... En théorie, t'as l'air d'avoir battu le boss final. Léon a est retourné. Mais on n'a pas rencontré les membres de l'organisation qui nous a dit « Salut, et moi, c'est moi, et toi, c'est pour toi, et on se ressemble un peu... Funny. » Alors, je veux bien qu'ils aient réussi à... Ah, bah voilà! Là, c'est bon, on va finir! T'as bien failli m'avoir avec cette onde de dégaine, mon frère. Regarde, on a la même voix, donc du coup, c'est bon. Mais oui, c'était toi dans la cathédrale! Qui es-tu pour me parler de ma dégaine? Est-ce qu'on le connaît? Pas en personne. Mon nom est Vanitas! C'est là que tu nous sors ton baratin avant de disparaître, c'est ça? Regarde, il y a même mon thème qui se joue en arrière-plan, trop bien. On était autrefois alimenté par les cris, des cris d'humains, d'enfants, convertis en énergie. Tout se faisait dans cette usine. C'est un véritable filon d'émotions négatives. Pour la dernière fois, on a arrêté! Ah ouais? Alors comment expliques-tu la présence de toutes ces capsules de cri? Ah, c'était des capsules de cri? C'est l'endroit dont j'ai toujours rêvé. La chance de trouver un sous-fifre au cœur assombri par le désir de vengeance. Ma seule obsession, c'était de gagner, et ce type a profité de sa faiblesse. Mon cœur n'est fait que d'une chose. Et les Nessians ont récupéré assez de cris et de détresse chez les enfants pour le reconstruire. Oui, et ils ont saccagé notre usine au passage. Mais avec toutes ces émotions négatives, mon cœur reste incomplet. Il me faut autre chose. Moitié de moi qui sommeille dans ton cœur. Ah bah Ventus, quel drôle de cachet tu as trouvé là. Misérable vaurien. Je voulais juste en toucher la fourrure pour voir qu'est-ce que c'était de la vraie ou pas. Quand tu étais petit, tu as forgé un lien spécial. Avec un garçon nommé Préventus, qui a rejoint ton cœur. L'un des porteurs de Keyblade disparu serait dans le cœur de Sora depuis tout ce temps. Comment c'est possible? À présent, tu vas me rendre Ventus. On protège avec... Pourquoi nous en a parlé? Finalement Ventus n'a pas réussi à vaincre Vanitas. Ils se sont terrassés l'un l'autre. Et le roi a dit que le cœur de Ventus n'était jamais revenu jusqu'à lui. Vous ne mêlez pas de ça. Pas grave, t'en as deux autres de Keyblade. Je prends ton cœur au moyen. Regardez.
Et ah, il... ah. Ah, ça l'a perturbé. Je sais pas. Ils vont le jeter dans une porte. Bah ouais. C'est comme ça qu'on fait ici. Dès qu'on a un méchant, on le jette. Vous êtes sérieux là? Oui, vous savez, il suffit quand même qu'il trouve une autre porte. C'était génial, mais il s'en fiche, lui, il réapparaît quand il veut, surtout. On vaudra ça. Ah, nous qui devrions vous remercier. Alors, j'aurais pu ramener Bou jusqu'ici sans votre aide. Et au fait, la porte de Bou? On a enfin retrouvé sa porte. Bou, je sais que tu étais contente de venir jouer avec Bob et Sully. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Rien qu'on faire part de ta T'as pas vu la tienne hein? Voyons. Vous faites peur tous les deux. Dingo, je sais pas si t'es pas le pire quand même. Hein. C'est le moment de rentrer, Bou. Boubou. Enfin. À très vite, petite. Non, c'est Donald, Bou. Voilà qui est mieux. A bientôt, petite. Ouais, t'es pas beaucoup plus grand. Hein. En fin de compte. Là, il y a Vanitas qui repasse par la porte. Voilà. On peut pas. Désolé, on n'a pas retrouvé la doubleuse pour qu'elle dise Sora, Donald Dumbo. On n'a pas retrouvé la doubleuse. Je me demande pourquoi. Taisez de nous avoir causé autant d'ennuis. Pas ouais, de soucis. En plus, c'était sympa cette aventure, comme au bon vieux temps. Hey, on a volé, on est tombé, par contre, on oublie la peinture. Mais rien de tel qu'un peu d'exercice pour travailler les cœurs. Il faut pas bouger. T'as pas arrêté de te plaindre, Donald. Un point frère. On pourra revenir vous voir. La porte est toujours ouverte. Peut-être que Bou viendra. Viendra aussi. Oui. Donc quand tu reviendras chercher les Lucky Emblems que t'as pas vu, il y aura Bou, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est pour jouer. C'est toujours moi le plus marrant. Bonne chance aux nuisibles. Merci. Et voilà, nous avons fini Monstropolis. J'espère que cela vous a plu. J'espère que, voilà, vivre une aventure fantastique avec Bou, c'était sympa. J'espère que tu t'es bien amusé, surtout. Oh, ça va, c'était rigolo de voir tout le monde se téléporter comme ça, c'était cool. Il était sympa, ce monde, ça. Et voilà, nous avons débloqué un zigo magique. Oh, ça a l'air sympa, quoi. Yo-yo jumeau. Dit comme ça, ça a l'air plutôt sympa. Mais bon, est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter là ou... Jamais. On va d'abord enchaîne avoir les cinématiques quelques avec petites Mickey cinématiques. Et Riku. D'abord. Allez, pas de cinématique là, on est tranquille, on va dire « Ouais, mais en fait, attends, il y a un truc dans la déformation d'espace. » Oui, voilà, sinon ça va être comme ça. Allez, faut pas être énervé comme ça, Sora. On devrait aller dans le royaume des ténèbres. Oh non! Tu peux pas y aller avant d'avoir récupéré le pouvoir de l'éveil. Mais faut qu'on réagisse. L'organisation va gagner si on fait rien. Bah ouais, mais nous on doit aller dans la lumière. Sora, sais-tu au moins comment accéder au royaume des ténèbres? Bah il faut aller chercher la porte. Ok, je vois ce que... comment faire. Que dire pas avant que tu aies accompli ta mission. Ah, ils sont nuls. Waouh, ça c'est le cri du désespoir. Non, ça va être voilà. Je vous dérange? Allez. Ah bon, bah.
J'ai des nouvelles sur le code d'Ansem et la réplique pour le cœur de Roxas. Et d'abord, la réplique. Even reste introuvable. Mais on a récupéré une partie de ses recherches. Je vais voir ce que je peux en faire. Merci bien. Quant aux données d'Ansem le Sage, nous avons découvert un passage très intéressant. Je vais vous le lire. J'ai découvert trois cœurs uniques dans celui de Sora. L'un des deux est Roxas. Le deuxième est lui depuis tout aussi longtemps. Et le troisième réside dans le cœur de Sora depuis encore plus longtemps. Quasiment toute sa vie même. C'est une découverte stupéfiante. Même si ces cœurs se sont à présent fondus en Sora, silencieux et indétectables, Sora retient les souvenirs des trois. Ces souvenirs ont été compartimentés et placés chacun dans une sorte de boîte. Ils ont tous mis leurs petits souvenirs dans une boîte, comme ça on l'oublie pas. Je soupçonne que l'on puisse réveiller les cœurs, en les mettant dans la boîte qui contient les bons souvenirs. En réunissant chaque cœur avec ses souvenirs, et en trouvant un cœur adapté pour chacun, un corps pardon, ces trois personnes pourraient revenir à la vie. Roxas et deux autres. Qui donc ? Merci Yenzo. De rien, à plus tard. Un de Roxas, l'autre doit être Ventus. Tu me crois Vanitas ? Oh, bah c'est tout comme ce qu'on a comme piste. Wow, tu sais qui pourrait être le troisième ? Bah non, plus personne peut s'en souvenir. Qui sait pas compter ? Eh, hey, ça a rien à voir. Mais c'est vrai que je sais pas compter. Non, c'est à quoi qui sait pas compter ? Qu'est-ce que vous dites ? Ah, il est pas là le grand Jaggi, je suis déçu. Mais oui. Je suis déçu. Ah, quoi ça sert ? Là, vous m'avez déçu. Là, c'est bon. Hein, 0 sur 20 le jeu, là, c'est bon. Pas assez de Jaggi dedans. Bon, je pense que c'est la cinématique. Non, d'abord on va nous dire au fait, c'est là-bas que vous devez aller. Non, mais d'abord non. Une petite cinématique. Non, mais cette partie elle va être coupée en deux, c'est pas possible. Dis-moi, comment tu comptes rester ici ? J'ai l'impression que ces eaux touchent les rives d'un endroit que j'ai visité. Ah, c'est Ansem le Barbu. Les îles du destin. Vous les connaissez ? Oui, c'est un endroit ravissant, à des années-lumière de ce lieu, désolé. À des années-lumière, carrément, alors attention. Je vais rester. Quelqu'un viendra me chercher. Les eaux se situent entre lumière et obscurité. Tes rives sont à la marge du jour et de la nuit. Elles nous ont réunis, toi et moi. Alors pourquoi pas toi et un autre ? Oui. Ça va, quoi ? Contente. Optimiste même, je dirais. Qui est là ? Mais oui. Hey. Bah oui. Hey, Ansem et Ansem sont sur un bateau. Ansem parle. Qui tombe ? Qui parle ? Maître, tu te moques de moi maintenant ? Souviens-tu de tes expériences sur le cœur que tu m'as forcé à interrompre ? Parmi les cobayes, il y avait une fille. Elle perdait la mémoire, comme moi. Mais les souvenirs peuvent être reconstruits. Tu l'as fait avec Sora. Je pense que tu as vu les souvenirs de cette fille. Quelle est ta question ? Où as-tu caché la fille ? Quelle fille ?
Si tu veux pas me le dire. Tu ferais mieux de partir. Ah oui. Gardien de la lumière égarée. Attends ici, le roi et son valet. Ah, il fait pop son sang rigolo, trop bien. J'en ai pas besoin. Ça suffit, je viens. Voilà qui est sage pour un Ansem. Oh, petite chose, je ne vais pas te laisser sans rien. Oh non, pauvre Aqua est tombé dans l'eau. Mais ça va, comme son nom l'indique, il peut respirer dans l'eau. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, elle est recouverte de ténèbres. Elle a fait comme Sora. Aqua forme sombre. Quoi forme sombre? Ah bah oui, elle aussi, du coup, elle va pouvoir se transformer maintenant, c'est trop bien. Elle fait plein de dégâts, c'est bon. Tu rigoles, mais ça marche bien, je te l'assure. Bon, vous reprendrez bien un peu de cinématique encore, hein? Bah voilà, exactement. Hein, je... Tant qu'on y est. Salut Sora! Salut, Tac, ça va? Tic vient de recevoir un message de Merlin. Tic, je l'ai au bout du fil. Hey, Tic! Hey, ça vous dirait pas de retourner un peu dans le monde de Winnie l'ourson, quand même? Ce serait sympa, quand même, hein? Merlin a besoin de vous. Pour une histoire de livre, je crois. Il est allé boire un thé en t'attendant. Un thé où ça? Ah, il a parlé de thé, mais il a pas dit où. Tu veux dire qu'il a pas précisé où? C'est un enchanteur, il ne tient pas en place. Cet enchanteur. C'est un enchanteur, il ne tient pas en place. Sachez que si vous êtes enchanteur, vous ne tenez pas en place. Hein, voilà. Vous n'avez pas aucune idée, hein. Au monde d'Alice au pays des merveilles. Quitte pour boire un thé. Vous irez pas au meilleur restaurant qui soit? Oh ouais, computer room. Au bistrot du petit chef. Ouais, allons dans la cité du crépuscule pour voir si Merlin est là-bas. Et voilà, on est parti pour la cité du crépuscule pour voir si Merlin n'y est pas. Si Merlin y était, il nous mangerait. Il t'aura confondu avec le thé. Ouais, je pense. Bah, c'est un enchanteur, il tient pas en place, tout ça. Voilà! Et ben voilà, on en est rendu donc là. Je pense, voilà, que cette vidéo va être coupée en deux. Donc, ne soyez pas énervés si dans la vidéo précédente, on n'a pas dit bonjour. Au revoir plutôt. Et dans cette vidéo, on n'a pas dit bonjour. Voilà, non, ce sont les aléas de la vie. On peut pas savoir ce qui va se passer. Donc voilà. Donc du coup voilà, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye bye.